Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous, ça veut dire tous abonnés, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Depuis la disparition de cette star, franchement, il y a beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Voici ce qui fait encore le buzz sur ces stars-là aujourd'hui. En fait, il y a certaines personnes qui sont en train de poster des vidéos, même des messages nous montrant que ces stars seraient encore en vie. Dieu merci, l'un de ses amis proches a décidé de répondre à cela. Et nous allons vous montrer tout simplement sa réponse. Il y a encore d'autres personnes qui doivent répondre pour démentir tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Mes frères et sœurs, c'est bien réel. Vous devez partager cette vidéo pour rassurer les gens, pour calmer les gens. Et vraiment, nous espérons que ça cesse un peu. Franchement, quand vous êtes célèbre, parfois les choses peuvent aller loin. Ça m'étonne. Waouh! Là, nous allons au studio. Soyez prêts. Comme vous le voyez, la star consternée est ici. Et c'est écrit. Il répond enfin. Qui répond enfin? Qui répond? Et à quoi? Vous allez voir. Déjà, regardez ça. Le 2 septembre dernier, nous avons vu des images, en fait, des captures qui ont figuré sur les réseaux sociaux. Et on nous dit que il y a cette star-là qui a tout simplement poster ceci et cela, et vous pouvez même lire ce qu'elle a. Jean s'informe que c'est ça, dit qu'elle est découragée parce que c'est ça qui a disparu, a fait croire à sa disparition. Regardez bien le message, et c'était fait le 2 à 9h41. Et les gens ont commencé à croire. Et comme si ça ne suffisait pas, voici même cette star-là, même en question. Ils ont mis sur sa page officielle. Les gens ont fait cette capture du 2 pour indiquer du genre un message pareil, du genre désolé, désolé aux vrais Chinois. Je voudrais juste voir à quoi ma mort va ressembler. Merci, mes vieux pères. Merci, le ministre du soutien. Merci à monsieur. Voilà, le général. Voilà, le film ATT, je demande pardon à toute la Côte d'Ivoire. Mercredi, je serai en direct, mesuré en direct sur la Chine. Bon, vous voyez déjà même la signature, c'est la Chine. Ça prouve qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Pourquoi la signature est c'est la Chine, au lieu que ce soit son nom? Là, déjà, c'est un truc qui devrait quand même ouvrir les yeux des gens pour nous aider à comprendre réellement qu'est-ce qui ne va pas. Ou encore, nous devons même demander aux artistes, aux administrateurs du site ou de la page de cette star de venir nous expliquer comment ce message peut-il apparaître encore aujourd'hui, si c'est faux. On en dit plus loin. Comme vous le voyez, voici encore une autre personne, voilà, une autre célébrité qui a reçu, vu ce message. Apparemment, elle aussi a répondu. Et les heures sont indiquées, hein. Vous voyez, 2 septembre, 2h34, genre pour nous montrer que c'est existentiel. Ce que vous devez savoir, mes frères et sœurs, c'est que un fake news, là, c'est défini comme une information qui paraît vraie. C'est-à-dire, quand vous lisez l'information, vous avez l'impression que c'est vrai. Mais c'est une fausse information. Vous voyez ce que nous sommes en train de voir. Nous voyons tous ces détails et même les heures, on nous indique tout ça, tout ça. Ah! Et Dieu merci. Il y a le nom de ces stars-là qui sont là. Ces différentes stars qui ont réagi sont là. Elles sont encore vivantes. Normalement, qu'est-ce qu'on doit dire? On a dit que ces stars-là doivent venir
répondre face à cela pour dire que soit c'est un tel même qui a envoyé le poste ou ce ne sont pas tels. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de réponse sauf seulement l'un de ses collègues qui a décidé de réagir face à quoi? Face à cette affaire-là. Nous allons maintenant vous montrer une vidéo que nous avons montrée. Je ne sais pas si c'est une blague. Voilà. Il y a une vidéo que nous avons montrée il n'y a pas longtemps pour vous dire voici ce qui fait le buzz sur cette star. Et c'était cette vidéo-là en question. Et vous allez voir. Regardez bien la vidéo. Voici. Bonjour les amis. Je viens de visionner une vidéo. Je ne sais pas si c'est une blague. Et franchement, si c'est une blague, en tout cas, celui qui s'est fait passer pour Didi Arafat qui est mort, il nous a vraiment bien eu. Parce que ça fait 3 jours aujourd'hui que j'arrête pas de pleurer la mort de mon frère Didi Arafat. C'est un garçon que j'ai beaucoup apprécié. Mais si c'est une blague, que cet enfant n'est pas mort et que quelqu'un s'est fait passer pour lui, je vous demande de visionner la vidéo pour que vous puissiez avoir la nette satisfaction que cette vidéo n'est pas une blague, mais un réel. Si c'est un fantôme qui traîne dans un pays européen, je vous demande de la visionner. Et s'il vous plaît, restez vraiment très poli dans les commentaires. Je vous en supplie. Pour que nous tous, on puisse voir la vérité sur la mort de Didi Arafat. Je vous demande également de bien, bien regarder cette vidéo. Je suis tellement choquée parce que cela circule sur les réseaux sociaux. Ça circule sur les WhatsApp. Je passe cette vidéo pour que vous et moi soyons rassurés que ce n'est pas un fantôme qu'on a vu, mais bien, bien Didi Arafat. Si c'est un buzz, franchement, ce n'est pas une blague. Je n'apprécie vraiment pas du tout. Je n'apprécie pas du tout. Et pour l'image du pays, vraiment, je ne sais pas comment ils se sont arrangés et qui s'est fait passer pour Didi Arafat tué dans quoi. Vraiment là, regardez cette vidéo et dites qu'on discute dans les commentaires. Vraiment, je suis en train de devenir peut-être folle hein, de voir le fantôme de Didi Arafat un peu partout. Peut-être c'est la folie. Mais les amis, regardez bien cette vidéo et discutons un peu dans les commentaires pour savoir si c'est pas un fantôme, si c'est un jeu, vraiment c'est pas drôle du tout. Bien, là, la vidéo va maintenant paraître et vous allez voir en même temps. Voilà. Comme vous avez vu, nous avons monté cette vidéo dans sa précédente réaction. Et on vous a dit tout simplement de vous calmer parce que apparemment, cette personne qui est ici, elle est encore en vie et elle peut nous donner une réponse face à tout ce qui se passe. Dieu merci, elle a répondu. Mais avant ça, de voir sa réponse, regardez bien ça. Le départ va de moi, côte à côté, à ce près depuis ma vie. Vous avez entendu ça? Revenons un peu en arrière. Pas drôle du tout. Là, c'est le départ de moi, côte à côté, à ce près depuis ma vie. Voilà, c'est cette vidéo-là en question. Et nous avons demandé à ce dernier en question, cette personne-là même qui tenait la caméra là, de réagir et de quand même expliquer ce qui ne va pas. Parce que elle est la seule personne à pouvoir nous expliquer ce qui se passe. Apparemment, les gens sont allés voir ce poste qu'il a posté récemment. Et c'est là qu'ils l'ont vu et ils ont commencé à s'imaginer des trucs. C'est que si cette personne même est là, sa réponse est ici. Elle va nous expliquer ce qui s'est réellement passé et comment cette vidéo est parue récemment ou encore à la date indiquée là sur sa page. Écoutons. La Chine populaire qui est ma famille, c'est comment c'est refine, comme vous le constatez. Voilà. Je vais pas être long. Je vais parler d'un truc vite fait. Cet temps-ci, il y a une vidéo de moi rallie le côte de mon vieux Mogo qui se promène sur les réseaux. Ça circule sur la toile des gens.
vieux là, il est là, il se fait passer pour mort. Je vous parle en français terre à terre. Si vous n'avez pas honte, ayez peur de Dieu. Voilà. Si vous n'avez pas honte, ayez peur de Dieu. Vous avez joué l'image du gars quand il est parti, au Dieu. Vous êtes allé jusqu'à profaner sa tombe, ça ne vous suffit pas. Aujourd'hui, c'est sur ma page, je vais t'arriver, moi je poste mes vidéos. Ce sont mes vidéos à moi, je poste ce que je veux sur ma page, vous comprenez, non? Voilà, c'est ma manière à moi de faire mon deuil. Il y a d'autres qui se filment en train de pleurer. Ça, c'est eux leur manière de faire leur deuil. Vous comprenez? Voilà. Vous n'avez pas marqué quelqu'un. Vous n'avez pas marqué quelqu'un. C'est vrai, le gars, il dégame. Hein? Il dégame, mais il ne peut pas se permettre de jouer à la mort jusqu'à se faire organiser des funérailles grandioses où des personnalités vont quitter des partout. C'est vrai, il dégame, mais ça, là, ça ne peut pas résister. Voilà, je joue pas à la mort. Personne n'est pressé de mourir. Vous comprenez, non? Personne n'est pressé de mourir. Nous tous, là, on mourit, chacun va mourir à son tour. Vous comprenez? Chacun va aller à son tour. Quand on meurt, on ne meurt pas à la place de quelqu'un. Chacun meurt à sa place. Voilà. Moi, je mets mes vidéos que je veux de lui parce que là, c'est quelqu'un qui m'a marqué, qui a beaucoup fait pour moi. Voilà. Donc, arrêtez de faire vos collages que vous faites à la con. Genre, le gars, il est là, il se fait passer pour mort et tout. Et vous n'avez pas marqué quelqu'un. Vous n'avez pas marqué quelqu'un. Pour finir, vous abusez. Laissez-le reposer dans sa tombe tranquillement. Voilà, laissez-le reposer tranquillement. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Bien. Chez nous, on dit que c'est fait. Là, maintenant, tout le monde peut se calmer. C'est son ami proche. Et il a donné sa réponse. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, franchement, ce ne sont pas toutes les informations que vous voyez qui sont vraies. Ce n'est pas toutes les informations que vous voyez sur les réseaux sociaux qui sont vraies. Hein. Ce ne sont pas toutes ces informations qui sont justes. Il faut vérifier. Et des personnes concernées par cette affaire, si elles sont en conflit, qu'elles viennent démentir, c'est mieux pour éviter les histoires. Maintenant, si ça continue, bon, au moins on sait que c'est faux. Comme nous avons fait la première vidéo, nous avons décidé de faire cette vidéo puisque cette personne vient de répondre pour nous donner de l'information juste et fiable. Apparemment, c'est juste un post récent qu'il a mis sur sa page. Et comme vous voyez, les gens sont allés prendre ce poste-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire des premiers postes que vous avez vus? Où on nous montrait que cette star-là, sur sa page officielle, disait que c'était comme ceci, c'était comme cela. Et les autres même auraient même répondu, vous avez même vu. Qu'est-ce qu'on peut dire de là aussi? C'est simple. La réponse se trouve dans ce que ce dernier vient de dire. Et il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de discussion. C'est tout. Sinon, si vous pensez autre chose, si dans votre tête, cette star déjà a toujours envie, bon, laissons le temps faire les choses. Le temps parfois me répond même au chat facilement. C'est inutile même de faire trop de bavardage. Mais de faire ça pour faire, de prendre ça pour faire le buzz. Faire le buzz et puis raconter des histoires. C'est un coup de vidéo que nous aimerons partager avec vous pour clarifier un peu les choses à ce niveau-là. Nous allons faire ce que nous pouvons faire. Maintenant, c'est à vous de voir la chose comme vous le voulez. Chacun est libre de croire ce qu'il a envie de croire. Sinon, nous serons tous dans une prison psychologique. Ou bien, voilà. Au moins, ce dernier a finalement répondu et il a donné la réponse qu'il faut pour apaiser un peu les tensions. C'est extraordinaire. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo si ce n'est pas encore fait. En cliquant sur ce bouton, vous aurez accès à nos pages d'accueil. Abonnez-vous sur notre chaîne, activez la cloche là-bas et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Sans doute.
Nous vous donnerons quelques informations sur certaines choses d'actualité. C'est question. Restez connectés. On ne sait jamais. C'est parti.